C'est Racine avec Love Attack. J'aime trop. Ça peut remplacer Aespa. Comment ça? C'est grave bien. Le refrain grave bien. Le refrain est trop satisfaisant de ouf. Ça mérite un meilleur MV que ça, mais très solide le titre. Hein. Waouh, le passe russe est incroyable. Ah, ma maison. Ça, j'ai trop envie de rejouer Sims. Vous étonnez pas si vous voyez des streams Sims, ça va apparaître un jour ou l'autre. Je pense qu'avant la fin de l'année, je refais des streams Sims. C'est grave bien. Le refrain est tellement pas non, il est grave bien, ouais. Mais c'est quoi ta sortie, Clément, du coup? Supernova? Ok. Pour un petit groupe, ouais, c'est grave bien. Je sais pas c'est quoi ma sortie pour le moment. Putain, ce refrain, il est incroyable. Et franchement, dans le top 10 des meilleurs refrains de 2024, hein. Vous savez quel groupe aurait pu sortir ça? Mais dommage parce que c'est devenu la merde. 50-50. Ça fait trop 50-50, je crois. Bon, pas comme si 50-50 avait vraiment un style et tout machin parce qu'ils ont pas sorti assez de titres pour ça, mais genre, je trouve que c'est une vibe qui leur colle bien aussi, quoi, à ce groupe. Ouais, le refrain il est incroyable. Le refrain c'est une arme nucléaire. J'aime bien leur tenue là. En vrai elles sont grave kitsch. Mais comme c'est sur une plage et qu'il n'y a pas de fond kitsch derrière, ça contrebalance bien. Le fait que ce soit juste sur une plage et tout. Mais c'est fini? Mais c'est trop court, OMG, rendez l'argent. Ah, c'est trop décevant, putain, trop, ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Oh, c'était grave bien, je suis trop content qu'on termine là-dessus. Mais grave bien, Racine. J'aime bien ce groupe en vrai, il me semblait que j'avais bien aimé leur titre d'avant aussi.